Salut à tous, c'est Trunken, on se retrouve à nouveau dans Hokuto no Ken 2. Et on va prendre le contrôle de Ain. Je crois. Oui, effectivement. Donc je rappelle qu'on est dans la deuxième vraie partie du manga. La nouvelle génération, au final. Quelques années après la victoire de Kenshiro face à Rao. Ouais, on a un tracteur, c'est génial. Ah, on peut défoncer les murs. Bonjour. Bonjour. Bien t'as vu. C'est un simulateur de tracteur. Alors c'est clair que c'est pas un super jeu. Enfin c'est pas un triple A, c'est clair. Après je trouve que triple A, bon, ça, enfin, c'est... Noter des jeux, mettre des lettres comme ça, je trouve ça complètement con. Ah merde. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, au moins il a le mérite de se renouveler un petit peu. Bonjour. Et c'est pas plus mal dans ce genre de style de jeu. D'avoir un peu de renouvellation ou de renouvellement. Trahison. Mon dieu, un tracteur. Ok. Oh, tu le sens mon poil dans ton cul. Ça c'est pas cool. Je vais te casser la gueule déjà. Mais t'es un bâtard, on vient vous sauver. Aïe. Aïe. Ah mais t'es un double bâtard en fait. Ah en fait t'es carrément une pute. Bonjour. Tu m'étonnes. Oh, je crois qu'il est mort. On vous avait dit, on touche pas aux enfants. Il précise bien tout de suite. Très bien. Alors on va en profiter par contre hein, pour faire un truc que j'ai encore oublié de faire. Voilà. Oh non mais vous êtes pas cool les gens. Vous êtes obligé de vous casser la gueule. Moi je voulais venir tranquillement jouer aux cartes et tout. Et non, voilà, il faut encore une fois casser la tronche des gens. Alors que finalement vous êtes peut-être sympa quoi. Je veux dire, bon vous avez des massues.
des armures en or et des casques à pic, mais ça veut pas forcément tout dire. Hein. Bon, par contre, vous avez des arbalètes, ça en général, c'est un signe qu'on n'est pas très gentil. Wata! Surtout quand vous vous planquez derrière vos potes qui sont en train de se faire défourailler la gueule! Là, je ne suis plus d'accord. Je ne suis plus d'accord. Voilà. Et... Choryu, oh. Ce ralentissement. Il en reste encore approximativement 17 ou 27 plutôt. Je sais absolument plus compter, c'est abominable. C'est à cause de la chaleur, je pars en sucette totale. Reprise de volée des deux qui sont en l'air, lol. Wata! Oh, je t'ai vu. Tiens. Wata! Voilà, cocotte. Deux secondes, j'ouvre le coffre là parce qu'il y a un parchemin. Et j'arrive. Putain, on n'est pas venu là pour faire les courses. Ça s'appelle un piège, Einstein. Hop, M par chelol. Oh, vous faites chier, les gars. Suri! Oui, c'était une onomatopée tout à fait bizarre. J'en conviens. Non, non, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Voilà, je pense que t'es tout à fait bien mort. Bon, tu vois, N, je pensais que c'était plutôt par là. Hein. Oh, bonjour! La pêche! Ah, comment j'ai évité presque tous vos carreaux d'arbalol. Voilà, ça c'est fait. Un autre parchemin, ça en fait déjà 3 n'empêche. C'est cool. Et 4. Super! Alors les 7 étoiles du Kuto! J'ai fait le tour de la cage. C'était mauvaise les sentinelles. Monsieur, j'ai une question. Chuchu, bon, tu vas parler maintenant. Okto Zankai Ken. On va voir. Mais tu es déjà mort. Donc c'était par là. Une table!
Je suis un malade mental, vous pourrez plus jouer à la belote. Né. Par l'éveil des sens. On a fait un beau ménage. Ah mais il y en a encore ici. Bon. Ah oh, puis fuck it. Chou. Voilà, ça, ça fait un joli ménage. Oh my wemo, Shinderu. Shinderu. Voilà, ça c'est fait. Elles ont peut-être des grosses chaînes. Je sais pas moi. Site de Mizar. お前たちほどの兄弟を倒した男と Oh, c'est pas Falco lui. T'es mort. Voilà. C'est ça, c'est Falco. Il a un petit côté Stallone, mais blond. C'est pas ma guerre. Bah oui, moi j'aime bien aider les enfants. Hein. Invente un truc, je sais pas, le hamburger sans pain ou les frites sans pommes de terre. Ouais, ce cheval est immense. Les deux connasses. Ah, Ray, t'es mort. Heureux. J'ai un service à vous demander. Ah. Oh, je pensais que c'était celle de Ray, moi. Vous avez fait... pour la symbolique. Et depuis 10 ans, elles ont toujours pas changé de fringue, hein. Ah, c'est alors tu vas mûrir. Ah ouais, quand même. D'accord, sympa. Sinon, ça va, Staline? Bien, t'as vu? Lui casser la gueule! Cette musique.
Qui es-tu, espèce de freluquet? C'est toi, arrêté! Sonic Boom! Bon. Voilà, dans ta garde, hein, comme on dit. Et comme je suis un mec sympa, je vais t'en remettre. Voilà, touché. Hop, somersault, tout ce que tu veux. Fu. Alors je m'excuse hein, si ça peut saturer dans le micro. Une fois que j'aurai déménagé, j'aurai peut-être un micro de pro. Avec un anti-pop et tout. Ce serait la classe. Lâche-moi, espèce de sinistre machin! Ok. Tu fais moins ton malin maintenant, sinistre rouquin. Shindir. Et je sais pas pourquoi j'ai le nez qui coule. C'est génial, je vous en foutais en plus. Ah non, je t'ai défoncé ta gueule. Il a pris un coup de poing. Bah si, sinon ça s'appelle le manga, il s'appellerait Okuto no Solia. Voilà, tiens, meurs. Nameo, c'est quoi ces gens? Serait-ce Jésus? J'ai rempli mes quotas. Ta gueule, femme! Bien parlé, inutile mais bien parlé. Parce que tu vas te faire casser la gueule. Mais oui, puis il est amoureux de Lin aussi, c'est normal. Enfin, Lin. Nani. Alors là, en fait, je ferme les yeux. Là, en fait, j'ai appuyé sur droite et j'ai fermé les yeux. Donc, bah, ce sera bateau. J'aime bien sa posture à battre. Je sais pas pourquoi. C'est une garde un peu ouverte. Ah, t'es pas ça, un petit con. Ni. Tu es là sans mon écharpe. Ça veut rien dire. Ah, trop bien! Carrément, il l'attrape et tout, c'est cool ça. Oh oui, dans tes tétons! Que la nuit n'est pas rien contre le Gentoku Ken, que ah! Thank you.
Voilà, ça c'est fait. Touche pas à mon pote. Une dernière chose. Mais non, mais Lynn, fais pas le con. Buzz. Buzz l'éclair. Sympa. Regarde ma gueule et tu comprendras mieux. Eh oui, complètement. Dire un peu Zangief. Ah ouais, quand même. Il est mort, ton Aniki. Ah non. Et puis tout le monde aussi, pour le coup. Et vous vous ressemblez même pas. Chine. Oh, comment t'es mauvais. Coup de boule. Ah, je connais un Dim Disaster qui serait trop fier de cette scène. Coup de boule dans la bombe. C'est vraiment des fanatiques. Vous êtes des malades. Mais vous êtes des malades. Et il s'en va normal. Rien à foutre. Et bah voilà, c'était sympa, on se retrouve du coup la prochaine fois pour la suite de l'histoire des 2000 ans d'existence du Yokuto, Shinken, tout ça, tout ça. D'ici là, prenez soin de vous, profitez du soleil, du beau temps si vous en avez, et s'il y a de l'orage, ne vous abritez pas sous les arbres. Voilà, allez, salut à tous, bye.